Mao, 500 metri, Mao, giù il rapporto, via, vai Mao, vai, 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 vai. Up on the outside is that Hushov, who's launched an attack. Yes, it is. C'était juste. Hein. Dumoulin, la première victoire française sur le Tour de France 2008 et un coureur français est en jaune, Romain Feillu. Congratulations guys. His first really 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 big victory. Deuxième Valverde, troisième Cadel Evans. Il va revenir ensuite. Eh bien, on a Kim Kirchen qui est là peut-être pour le maillot jaune. El Tour de Francia 2008 sale de Brest el 5 de julio, un programa compuesto de 21 etapas en el que destacan, lógicamente, tres favoritos, el ganador saliente, Alberto Contador, Alejandro Valverde y Cadel Evans. Cadel Evans est tombé. Chute de Cadel Evans, un des favoris du Tour de France. Oh, il est bien entamé même au niveau du cuissard. Et derrière, il y a Valverde qui est lâché. Ils sont tous à fond derrière, mon petit. Ah, Valverde décroché, aucune égo, Valverde décroché, ça c'est très important. The yellow jersey is in difficulty and he's been dropped. Ça va jouer, attention, attention, top, une seconde. Pour une seconde, Ivan, c'est maillot jaune. Desafortunado al inicio del Tour, el australiano recupera el maillot amarillo en la décima etapa. 44, 45, 46. Cadel Evans is going to keep yellow or lose it to Frank Schleck. Carl Sastre has to go. Sastre's got Petrov on his back wheel. Les écarts se creusent, Carl Sastre 42 secondes sur le groupe donc des frères Schleck, alors que Cadel Evans est en train de faire l'effort là, pour essayer de recoller. El 23 de julio, Carlos Sastre se impone en la mítica subida al Alpe d'Huez. A cuatro días de la llegada a París, el corredor de la formación Saxo Bank se hace con el maillot amarillo. Al final, solo 53 segundos separan a Carlos Sastre de Cadel Evans, pero es el español quien, a sus 33 años, logra hacerse con el primer puesto del podio.